Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission, nouveau magazine de l'Écho des Tintaines. Un magazine très spécial ce soir puisque les invités vont être les jouteurs qui se sont illustrés lors du championnat de France qui a été disputé à Palavas ce samedi. Et on va attaquer tout de suite par les jouteurs de la catégorie junior et par celui qui a été le finaliste, c'est Clément Périllou. Clément, bonjour. Eh bien, bonjour Jacques et bonjour à tout le monde. Bonjour Clément. Alors, précisons-le tout de suite, Clément, tu es au téléphone. Il y a eu un petit, malentendu ou... C'est ça. Voilà, qui fait que, au sortir du lycée, tu as été dans l'impossibilité de venir nous rejoindre physiquement à la radio. Mais bien gentiment, tu as su nous prévenir suffisamment tôt pour qu'on puisse prendre nos dispositions, et toi aussi. Et ainsi, on t'a au téléphone. Voilà. Je vais être là quand même pour la dernière. Eh ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Et alors, le malheur qu'il y a, c'est que Kevin, lui, était en cours jusqu'à 17h50. Et on l'aura tout à l'heure à partir de 18h15. Donc, j'ai décidé de couper la demi-heure en deux. En vous écoutant un petit peu chacun, lui dans la deuxième partie et puis toi pour faire l'ouverture, parce que bon, même si tu n'as pas été sacré champion, tu as fait une bien belle saison, Clément, quand même, cette année. Ça va, ça a été super, ouais. Franchement, je me suis amplement régalé. On verra l'année prochaine en senior. Hein. Alors, si tu fais comme les juniors qui sont montés cette année, tu vas continuer à briller l'année prochaine. On verra. C'est vrai qu'en début de saison, c'est vrai qu'en senior, les juniors, ils étaient présents, on va dire. Non, c'est vrai, ouais. Ah, ils ont été tout feu, tout flamme, hein, parce qu'il n'y a que eux qui gagnaient. Et après, comme on avait regardé la dernière fois en cours de saison, après, les vrais seniors, entre parenthèses, comme on l'avait dit, ils s'étaient réveillés un peu. Ouais. Ouais, mais bon, il est vrai que après, ils ont trouvé, on va dire qu'ils ont trouvé la mesure des ex-juniors. Et par contre, bon, après, les ex-juniors ont moins brillé. Ce qui fait que les seniors, après, ont repris leur rang et se sont un peu plus illustrés. Mais enfin, on n'est pas là pour parler des seniors, on est là pour parler de toi plus particulièrement. L'année dernière, j'arrêtais pas de dire, ce garçon, il a des qualités, il va gagner un tournoi. Et puis, tu as attendu le dernier tournoi pour t'illustrer. Hein, c'était à Frontignan, lors du championnat de France, que tu avais remporté la victoire. C'est vrai. L'année dernière, ouais, c'était le seul tournoi que j'ai gagné. Après, j'ai fait 4 finales et 4 perdues. Ouais. Ouais. Alors que cette année, tu as été bien meilleur, on va dire. Ouais, oui. Cette année, c'était une belle année pour toi dans un championnat. Ah oui, je me suis régalé, comme je te dis. Ah oui. Eh oui, parce que cette année, un championnat, tu t'es imposé 4 fois. Hein. C'est vrai. Et en plus, tu avais fait un très très bon début de saison, puisque bon, on fait un peu le bilan de toute ta saison. Lors des 6 premiers tournois, tu en as gagné 3. C'était à Palavas d'abord, à la maison, tu avais mis tout le monde à la raison, à la maison.
Après, au Pavador et à Metz, ça t'a fait le triplé, là. Et puis après, bon, qu'est-ce qui s'est passé, Clément? On en a déjà parlé souvent, mais maintenant que la saison est finie, tu arrives à trouver une explication ou pas? Du tout. Franchement, je pourrais rien te dire là-dessus. Hein. Du Bon. tout, je sais même pas pourquoi, non. Bon. Mais enfin, bon, après, tu es revenu titiller Anthony Principato au moment où il fallait. Hein. C'est ça. Et puis, il y a Brice qui est venu, Brice Izard qui est venu jouer les malotrus, on va dire, au tournoi de la Lens au tournoi de la Lens sportive, vous empêchant, Anthony et toi, de faire la finale que tout le monde s'attendait à voir, quoi. C'est vrai, il nous a un peu empêché de faire la finale, mais bon, écoute, hein, c'est les joutes. Hein, ouais, ça. Ouais. Ouais. Mais moi, ce qui me plaît, c'est la philosophie avec laquelle tu réagis. Tu es tout le temps tempéré. Pourtant, Dieu sait si tu les aimes, les joutes. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Clément, lors du tournoi qui s'est disputé samedi au championnat de France, l'entrée en matière, bon, elle s'est bien passée puisque au premier tour, bon, tu prends le dessus sur c'était Sauveur Benavent, hein, contre qui. Benavent, ouais, c'est ça. Voilà, contre qui tu as joué en premier. Bon, tu le mets à l'eau et après tu rencontres ton partenaire Loïc Merle. Loïc, ouais. Oui, bon, mais ça arrive. Hein. Ouais. Je me suis dit quand même, on n'a pas de chance de tomber l'un contre l'autre, ou même contre, si je serais tombé contre Ryan ou Kevin. Oui. Bon, ouais. Je suis tombé à contre en finale, bon, ça c'est autre chose. Oui, oui. Alors bon, Kevin, lui, il a eu un tour de plus à faire. On le verra tout à l'heure avec lui, parce que il a battu au deuxième tour Alexandre Benavent. Il avait au premier battu Esteban Leboeuf. Mais après, lui, là, pour shooter contre toi en finale, il a dû passer le préliminaire. Mais lui, il s'est pas fait avoir par Brice, hein. C'est vrai. Arrête de rigoler. Eh bien, écoute, voilà, il est passé. Ouais, ouais. Lui, il a réussi à déjouer les plans de Brice et donc vous vous retrouvez tous les deux en finale. Et pour disputer cette finale, alors moi quand j'ai vu Kevin Belloc contre Clément Périlloux, je me suis dit oh là 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 là, ça y est, on est encore reparti pour 20 passes. Tu te l'es pensé un peu au fond de toi-même, hein? Oui, je me suis dit ça va durer longtemps. Ouais. Ah ouais, je le savais déjà. Et bon, ben, j'ai essayé, mais bon, après, écoute, hein, comment ça. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, première, on passe la garde, deuxième, on passe la garde, troisième, quatrième, et puis à la cinquième, qu'est-ce que tu nous as fait là? Eh bien, écoute, je me suis dit, on est en finale, c'est deux Palavas. Écoute, la coupe, le champion de France, le champion, il me restait à Palavas. Donc je me suis permis de changer de joute, j'ai essayé. Ouais. Et ça n'a pas marché, écoute, hein, j'ai passé la deuxième garde, et voilà. T'as fait une couillonnade, quoi, comme on dit. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est face à moi et qui rigole, je te signale. Qui c'est? Essaie de deviner qui c'est. Deviner. Ah, c'est pas sorcier quand même, hein. Pato. Non. Qui ça peut être? Louis? Non, c'est pas un junior. Ah, c'est pas un junior? Non, c'est pas un junior. C'est quelqu'un que tu connais très très bien en plus. Jérôme Barthaud. Tu t'es trompé.
Non, non, attends, c'est lui, il t'allume là parce qu'il te dit que t'es trompé alors que c'est bien lui. Ouais, c'est Jérôme. Ah. Tu te rends compte, alors, aujourd'hui, que vous n'êtes pas là, il est là. Lui, il est là. Alors, en plus, il me dit, ouais, tu sais, Jacques, je vais pas pouvoir, j'ai un problème. Oh, j'ai dit, bah, écoute, Jérôme, si tu dois travailler, c'est pas grave. Hein. Il me dit, ouais, tu sais, en plus, ça m'embête. Oh, j'ai dit, bah, c'est pas grave, Jérôme. On te prend un petit moment au téléphone, même juste 5 minutes. Alors il me dit, ouais, mais même au téléphone, tu pourras pas m'avoir. Oh purée, alors là, je dis, mais comment on va faire ? Mais il me dit, écoute, là, je veux venir à 7. Alors là, j'étais content. Hein. Ah, mais va voir. Eh ouais. Et puis alors là, aujourd'hui, je vais te dire, hein, il a goûté au. Comment il s'appelle, Kevin ? Les petits fours. Les petits fours. Ouais. Et là, il va être gâté, hein, parce que vous êtes pas là. Et moi, je n'ai pas là, du coup, il aura la ration. Ah ouais, là, il va avoir la super ration. Il va être gâté, c'est lui, ça. Aujourd'hui. Hein. C'est ça. Mmh. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu, parce que vous saviez qu'il était là ou quoi ? Ah non, du tout. Ouais. Bon, allez, redevenons sérieux, arrêtons les bêtises là. Alors, t'as voulu changer, t'as voulu surprendre Kevin, et en fin de compte, c'est toi qui t'es fait avoir. Eh bien, écoute, voilà. J'ai voulu essayer de le surprendre, et c'est lui qui m'a surpris, tu vois. Ouais. Parce que je me suis dit, je commençais à fatiguer, je te le dis. Hein. Ouais, ouais. Ouais, tu me l'as dit dès le samedi soir. Le petit monsieur en face, il fait pas 20 kilos, tu vois. Ouais. Du coup, pour le bouger, il faut le bouger. Du coup, ouais, j'étais fatigué. Je me suis dit, si on continue, il va m'avoir à l'usure ou alors je vais l'avoir à l'usure. Et bien, j'ai dit, eh bien, écoute, perdu pour perdu, je vais essayer de changer. Hein. Ouais. Bon. Ouais. Et ouais, puis finalement, c'est toi qui t'es fait avoir, mon pauvre. Ah, mais bon, c'est pas grave puisque vous avez fait la fête ensemble après. Ouais, c'est ça. L'important, comme tu le disais précédemment, c'était que le titre quand même reste palavasien. Oui. Là, moi, dès que j'ai vu en finale, je me suis dit, bon, en tout cas, il reste à la maison. Ouais. Du coup, voilà, je suis content d'ailleurs. Alors finalement, toi tu fais une saison magnifique, mais tu termines deuxième au championnat de Ligue et deuxième au championnat de France. Ça fout pas un peu les glandes quand même, Clément. Non, ça va, ça va. Non, deuxième de Ligue, ben, déjà je suis content. Oui. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place, donc je vais pas être pas content, quoi. J'en suis fier. Oui. Après d'être passé premier, ma foi, moi je l'aurais pris, hein, quand même. Ah, bien sûr. Et après, je suis passé deuxième, et bien, écoute, je suis d'autant plus heureux aussi, c'est pareil. Mm. Étant donné que l'année dernière, je l'avais gagné, écoute, j'ai gagné une fois, écoute, après le reste, c'est durable. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que bon, c'est quand même un titre, mais c'est un titre, comme tu dis, qui se gagne sur une journée. Et oui, voilà. Alors que le titre de... Enfin, c'est pas un titre, mais la place de second au championnat de Ligue, celle-là, ça prouve la constance et la régularité sur l'ensemble d'une saison. C'est vrai. Ok, ben écoute, Clément, nous, on te remercie pour plusieurs choses. Premièrement, pour ta fidélité, parce que chaque fois que j'ai eu à t'appeler pour t'inviter, c'est toujours avec beaucoup de gentillesse que tu nous as répondu. Je te remercie aussi pour la qualité de ta joute. Je te remercie aussi pour ton esprit, pour ta gentillesse, pour ton sérieux. Parce que bon, s'il y en a d'autres qui ont été invités, qui se sont défilés ou quoi que ce soit, ou qui ne m'ont pas donné signe de vie, jamais ça a été ton cas. Il y en a qui feraient bien de prendre exemple, je ne mets pas de gants pour le dire, ça n'a jamais été ton cas et je t'en remercie beaucoup. Et pourtant, toi tu n'es pas sur place
Et tu as toujours fait l'effort de nous informer ou de faire le déplacement. Et puis, bon, tu es un bon petit shooter, un shooter que j'aime bien et qui mérite tout ce qu'il a fait tout au long de cette saison. Et tu as confirmé tout le bien que l'année dernière, on pensait de toi. Voilà, je tenais à te le dire et à le dire publiquement. Parce que tu mérites toutes tes récompenses et tout ce que tu as fait tout au long de ces 2 saisons au cours desquelles tu as été junior. Maintenant, j'espère que de tout cœur, et je le dis très sincèrement, que l'année prochaine, tu brilleras aussi en senior. Voilà. Eh bien ça fait plaisir en bas, moi. Ben écoute, Ouais. tu sais. Et moi, je te remercie aussi pour toutes les émissions que tu as faites, hein, tous les podcasts sur YouTube et sur Facebook, et à ton associé aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Ah oui, Jean-Christophe, oui. Voilà. Ah Et ben je oui, n'oublie parce pas que. Jean. Même si on ne le voit pas à la caméra, en haut, en tout cas, on pense à lui. Oui, parce que, ben tu sais, s'il n'était pas là, Jean-Christophe, il y aurait pas de radio, il y aurait pas d'émission, et puis il n'y aurait Et pas de voilà. radio. Alors, donc, voilà. Eh Et ben écoute. merci à vous. Ben C'est écoute. pareil également. Nous te remercions et on espère que l'année prochaine, ça sera encore aussi bien pour toi. Merci beaucoup, Clément. À bientôt, en tout cas. À bientôt.